Quoi de mieux pour découvrir tous les attraits de Limoges ? Ce groupe hollandais, pour 3 semaines en Limousin, n'a pas hésité à prendre place pour optimiser cette seule journée en ville. Pour le porcelain et les bâtiments, c'est vraiment merveilleux. Et l'église et la cathédrale. Et c'est parti pour 50 minutes de visite dans les quartiers historiques. Bienvenue dans la capitale des arts du feu. Espagnols, Canadiens, Russes, Américains ou Français profitent en réalité de la large communication pour le tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Il y a un effet, curiosité pour cette nouvelle grande région. Donc on observe que les Bordelais viennent à Limoges, ils sont agréablement surpris de constater la qualité de vie, la qualité des infrastructures, l'accueil aussi qui est réservé. On fait en sorte pour que l'accueil et leur expérience de la destination soient la plus positive possible. L'office de tourisme se fait vitrine des savoir-faire de l'agglomération. Le City Pass, mis en place il y a 3 ans, a doublé ses ventes et les offres des partenaires. De quoi répondre aux intérêts et aux budgets variés des touristes. Chaque nationalité a des goûts un petit peu différents. Et soit c'est juste un petit souvenir histoire d'heure, soit vraiment ils veulent un ensemble complet ou des pièces conséquentes. Tout ce qui est Moyen-Orient ou Asie vont aimer bien, tout ce qui est doré ou des choses comme ça. D'autres nationalités comme les Espagnols vont aimer les choses colorées. Limoges, désormais dans le réseau UNESCO des capitales créatives, devrait donc aborder avec le sourire la saison estivale.